Soirée consacrée à l'humour ce vendredi 26 mars sur C8. La chaîne propose, à partir de 21h, le spectacle déjanté de Roland McDan. Pour l'occasion, Closer vous propose de découvrir qui est Marie-Claude, la femme qui partage la vie de l'humoriste depuis plusieurs années. C'est au début des années 2000 que Roland McDan fait la connaissance de celle qui va devenir son épouse. Quand il décide de se lancer de faire son retour en France après un passage par les États-Unis, c'est Marie-Claude qui devient sa manager. Très vite, une forte complicité s'installe entre les deux. Marie-Claude et Roland McDan, déjà papa de deux enfants nés d'une précédente relation, se marient en 2003. Assez discret sur sa vie privée, l'humoriste avait toutefois accepté de parler de sa femme. En 2012, dans une interview accordée au Dauphiné, elle s'occupe de la partie technique du spectacle. Je ne l'abandonne jamais, même si on s'engueule tout le temps. Je la mets même dans mes sketchs. En 2013, dans les colonnes de Paris-Normandie, il revenait également sur sa relation particulière avec sa femme avec qui il travaille. On travaille en famille, à l'ancienne. Ça nous permet de vivre ensemble. En même temps, si est-il très dur de partager à la fois une vie de couple et une vie professionnelle. Mais si est-il mieux que de ne jamais être chez soi. Point, si on ne travaillait pas ensemble, je ne pense pas que ça durerait longtemps, expliquait-il. Roland McDan et Marie-Claude, une rare photo du couple en Corse en juillet dernier. Roland McDan, âgé de 71 ans et installé en Corse avec la femme de sa vie, partageait une très rare photo de Marie-Claude avec ses quelques milliers d'abonnés sur Instagram.